Et bonjour à tous, c'est Bernard et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Horizon. Et bien écoutez, aujourd'hui on va faire la quête annexe qui s'appelle Un instant de paix. On est à la recherche d'un campement Banouk où en fait il réussirait à apprivoiser des machines. C'est parti! Et on se retrouve dans la neige. On est ici. Voilà, au fin fond de la carte. Et du coup, ben, on va arriver ici. On va bien voir ce qui se passe. C'est sûrement le camp Banouk dont Vilgund m'a parlé. Sans doute. Je me demande ce que sont devenus les autres mercenaires qui l'ont envoyé. Les machines sont dociles. C'est comme si elles avaient déjà été piratées. Ouais. Étonnant. Laura, est-ce qu'elle a été bannie? Tu vas pouvoir parler à des gens. Vagabond Banouk. Oh, un feu. Allez hop, on va faire une petite sauvegarde. Ça, c'est bien, c'est fait. Ah. Petit cuc. Ok. Oui. Dans ces bois, j'ai pu passer ma main le long du flanc métallique d'une machine meurtrière. C'est la vérité. Que des champs soient composés. Un ravageur. Wow, c'est quoi là? Dans ces bois, tout le monde. Bon, j'ai examiné le camp Banouk, maintenant il faut peut-être que je parle aux gens. Chaman, toi aussi tu essayes de comprendre les machines? Oui, Nora. Et je prends bien le temps de les étudier. Que ça reste entre nous et les esprits. Mais j'aime ce calme. Et ce n'est pas que les machines. Beaucoup de choses changent à Banour. Les chasseurs et les chamans se disputent sans cesse. Il a pas l'air d'être échauffé, lui, hein. Comment s'adapter aux difficultés? Ça doit pas faire du bien non plus, les trucs qu'il a dans le corps. Ne veulent pas revenir à la vie d'avant. Et avec le temps, nous autres chamans trouvons de moins en moins d'explications. Beaucoup d'entre nous sont envoyés en exil, vie d'errance. Ici, personne ne se dispute. Alors, le mystère me va très bien. Ah, c'est quoi là-bas? C'est par là que les Banouk doivent monter et descendre de la montagne. La dernière chasse a été fructueuse, aussi rapide que la neige qui tombe, et ne laissant aucun estomac crier famine. Vous savez quoi? Avant, j'ai pas mal de trucs sur moi. Je vais aller vendre tout ça et après je vous reprends, c'est pas la peine d'assister à ça. Et après je vous reprends, j'ai vu qu'il y avait un marchand dans le coin ici. Donc je vais acheter deux trois petites choses, enfin vendre deux trois petites choses. J'ai vu un signal là-haut. Donc on va aller voir. Je crois pas que la chasse sera plus simple uniquement parce que le climat est plus. Il requiert une préparation optique.
le signal. Ah, ouais, je pense qu'il faut que je monte comme ça. Regarde un petit peu. Ok. C'est par là que les Banouk doivent monter et descendre de la montagne. Ok, on va continuer à monter. Hop là. Ici. Ok, hop là. Il y a un feu de camp dans le coin, c'est ça? Non. Ok. Les étincelles ont l'air paisibles. Ouais. C'est bien, j'imagine. Faire une petite sauvegarde ici. C'est Bilgun qui t'envoie. La conscience s'achète apparemment. On s'en fiche. Jeune Nora, tu dois arrêter les autres. Plus loin, on est monté. On a trouvé un genre d'appareil ancien. Aucun doute, c'est bien ça qui modifie le comportement des machines. Mm-hmm. Les autres abrutis ont voulu l'emmener à Belvédère pour le vendre. Mais il était déjà cabossé. Comme s'il était tombé. On a essayé de les empêcher de l'extraire. Sans cette chose ici, ces Banouk vont se faire massacrer. Oh, d'accord. Je vais les arrêter. Fichez le camp d'ici. Vous avez fait suffisamment de dégâts comme ça. Oh, je sens que ça va mal se passer. Tu n'as pas tort. C'est clair. Qui es-tu? T'es pas une de ces Banouk? Trop tard. Laissez-moi regarder. Attends un peu. Ce truc est à nous. On l'a chopé. Pourquoi tu voudrais? Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Je sais pas quoi penser. C'était ton idée. T'as commencé, t'as qu'à finir. Ok. C'est peut-être juste de la camelote. Mais on peut le vendre pour les pièces. Je te repose la question. Pourquoi tu le veux? Ça a plus de valeur pour moi que vos vies. Vous voulez toujours négocier? Laisse tomber. Tout ce que l'Est m'a donné, c'est des engelures. D'accord. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Dysfonctionnement catastrophique. Dysfonctionnement critique. Oh là 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 là. C'est pas tout jeune. Et il envoie un signal depuis tout ce temps. De plus en plus faible. Je dois retourner au camp. Avant que les machines me le détruisent. Oh oui, je pense que ça va mal se mettre. On va faire une petite sauvegarde ici déjà. Je le sens pas. Non. Oh, les machines qui s'énervent. Oh putain de... Les machines sont en colère. Gardez vos distances. Chasseurs, défendez le camp. Rugis et attaque-moi. Je n'ai pas peur. Les dents.
putain. Allez, j'arrive pas. Merde. Oh, hop, hop, hop. La vache. De moins bonne humeur. Merde. Ramasse-le, merci. Putain. Bon bah allez, on va ramasser tout le bazar. Un ennemi de moi. D'accord. Oh la vache. Ah, j'aurais pu prendre ça pour... Enfin, bon. Dans le feu de l'action, comme on dit. Heureusement que lui, il s'est pas réveillé. Parce que là, on n'aurait pas été dans la merde. Parce que je crois que pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait. J'ai d'autres choses à prendre. Je crois pas. Ah, il faut qu'on aille parler à Tikuk, qui est là-bas. Là, arrête de bouger. On reste attentif. C'est Tikuk. Elle est où? Non. On va me chercher aujourd'hui. Le premier qui se frotte à moi, il va le regretter. Du coup, je sais même pas. Elle est où ? Voilà, Tikuk. Elle est où ? Là ! Putain, je tourne autour. Non. Savais-tu que ce changement allait arriver ? Bah, avec les débiles non, là-haut. Pas tout à fait. Mais je sais que beaucoup de choses changent dans le monde. Là, c'était les étrangers. Ces Océram pensaient. Les Océram ne pensent pas. Ils ne comprendront jamais l'équilibre entre nous. Ça, c'est clair. Entre l'homme et la machine. Pardon. La lumière bleue a disparu. Il nous reste de nombreux chants. Des chants de lamentation et non de gratitude. Et oui. Et maintenant, tu vas retourner là d'où tu viens? Lorsque nous enseignons aux petits à marcher sur la glace, nous leur disons « Le secret, c'est de faire un pas, puis un autre. » Peut-être qu'un jour, nous comprendrons le mystère des machines. Je l'espère. Bonne chance, Tikuk. Je m'ennuie tellement que je parle tout seul. Retournez voir Vilgrud. Vilgrud. Du coup... Ah bah tiens, j'en ai encore ici. Je pense qu'on va prendre des déplacements rapides. Parce que c'est pas la porte à côté. Allez. On reviendra de toute façon parce qu'il y a des statuettes, des machins. Là, il y a un campement de bandits à faire. Alors, du coup... Ouais, la vache. Et je vais pas me taper tout ça à pied, hein, je vous le dis. Mon Dieu. Il n'y a pas un truc.
Allez. Oh, faut que j'en rachète. Il faut que je rachète des sacs de couchage. Allez, allez, allez. On charge, on charge. Il faut que j'arrive à trouver un arc de guerre Karja aussi. Comme ça, j'aurai accès aux flèches de gel, il me semble. Allez, c'est là-bas. C'est là-bas ou c'est où ? Je vais aller. Allez, on va d'abord voir l'autre là. Ah oui, c'est vrai qu'il est. Il est en haut. Faut que je trouve par où on passe déjà. Non, c'est pas par là. Ah, là il y a un escalier. C'est par là. C'est sûrement la flèche. Elle est immense. Ouais, il est là. Chers aventuriers, étrangers. Allez. Vous cherchez. Mais je connais ce visage. Alors, tu es rentré? Raconte-moi tout. C'était compliqué. Ah, j'aurais dû parier là-dessus. Les machines dociles, c'est dur à expliquer, mais c'est un signal qui les apaisait. Tes hommes étaient cupides, alors ils l'ont pris. Les paris paient rarement. J'aurais dû être marchand d'armes. Il y a toujours du boulot. Bien, c'est clair. Prends ça. Le reste de la paix de ces grosses brutes débiles. Ça, c'est exactement ça. J'ai fini le travail. Comment vous disiez ? Assez pour une tenue plus adaptée ? Qu'est-ce que tu veux ? De la soie Karja ? Ah ! Étranglé par les cordons de ma bourse. Eh ben voilà. Du coup, j'allais voir un marchand. Parce que je pense que je vais avoir pas mal de trucs à échanger. Est-ce que j'ai un marchand dans le coin ? Oui. Alors. Oui, non, mais c'est pas des ressources que je... Allez, on va vendre déjà. Et puis, il faut que je trouve un vrai marchand. Alors, du coup, est-ce que j'ai des choses ? Ah non, il faut d'abord que j'aille voir ce que j'ai. Parce que là, du coup, j'ai plein de trucs. Ça, j'ai déjà. Allez. Mon Dieu, tout ce que j'ai accumulé. Ok. Ah, ça, ok. J'en ai d'autres à lire.
ça, c'est le deuxième grand coup que j'ai fait. Je l'ai toujours pas ouvert. Ça, c'est les trucs sur le Frozen. Et j'ai bientôt... C'est quoi ça? Ok. Et là, c'est quoi? Catalogue des machines. C'est là où on peut voir un peu les faiblesses. Ravageur, moi c'est celui. Il ressemble à. Coureuse. Ah, ça, j'en ai croisé un. La vache. Butin. Qui donne rien, c'est ça. Ok. Bon, alors lui, il me vend pas grand chose. J'en ai encore un ici. Tout le monde a besoin de couleurs dans cette. Ah, te revoilà. Tu m'as rapporté quelque chose de joli. Ces fleurs de métal. Ah. Elles viennent ou juste? Personne ne le sait. Certains disent qu'elles sont apparues il y a 20 ans quand les machines sont devenues folles. Elles jaillissent peut-être des larmes du soleil. Il a bien des visages, tu sais. Furieux un jour. En fait, il faut que j'aille chez un marchand en dehors de la ville. Parce que là, c'est que ceux. Là, je crois qu'il n'y a que ceux qui veulent. Ah, marchons donc un peu pour ces merveilles. Ouais, voilà. Ça, il faut 10 fleurs de marque 1. J'en ai 7. Et ça, j'en ai aucune. Et ça, j'en ai aucune. Ça, j'ai déjà acheté. Ok, ok, ok. À la prochaine fois. Noble Nora, j'aimerais discuter avec toi de beauté et d'élégance. Alors du coup, il faut que je sorte de la ville pour aller trouver un vrai marchand. Si j'arrive à trouver ça. On va regarder là-dessus. Là, je crois que j'en ai un. Allez, on va ici. Oh putain, il faut que je rachète des trucs pour me déplacer rapidement parce que j'en ai bientôt plus. Alors, il est où ce marchand? Derrière moi. Je ne savais pas que les Nora avaient le droit de quitter leur terre sacrée. Ouais, c'est ça, oui. Alors, du coup, j'aimerais bien acheter un arc de guerre Karja. Ah, putain. D'accord. Vert du désert, vert de scorie. Merde, et moi, j'ai tout vendu. Ah, quel con. Arc de guerre de l'ombre. Un cœur de piétineur, ouais. Bah, faut que je prenne un Karja avant. Et ça, il me faut des vers du désert et vers de scorie. Ça, je les ai sur les. Quand on attaque les villages et tout ça. Bon, mais je sais ce qu'il me reste à faire. Ah, je vais voir si j'ai encore des trucs à vendre. Des trucs que j'ai en plus. Ça, j'en garde un petit peu. Ça, je peux en garder que deux stacks. Je suis pas obligé de garder 40 millions de trucs. Celui-ci. Ça. Je vais vendre celui-là. Waouh.
Ok. Bon. Ah bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vais regarder où est-ce qu'on en est au niveau des quêtes. Alors, quête annexe. Bon, ça, il faut attendre. Armure antique, je suis pas tombé dessus encore. Hein. Zone de chasse, Nora, ça on l'a fait en entier. Fourche vallon, faut que j'attende un petit peu. Les autres aussi. Grand coup, j'en ai fait un. Bandit, j'en ai fait trois. Partie de chasse. Trouver un parrain. Bon, allez, on va continuer un petit peu celle-là. On va continuer un petit peu celle-ci. Alors, compétence, j'ai un point de compétence. Atterrissage silencieux. Alors, j'étais en train de faire... Donc, j'ai terminé ça. Et c'est pas mal ça, renversement. Puis après, on peut faire un coup critique une fois qu'elles sont renversées. Ok. Après, on sera celui-là. Ouais, ça, je suis pas pressé. Allez, c'est parti. Du coup, trouver un parrain. Il faut que j'aille. Eh ben, il faut que je remonte le truc. Attendez. Je vais retourner voir le marchand. Parce qu'en fait, il faut que j'achète des trucs pour voyager rapidement. Alors, acheter. C'est dans les ressources. Voilà, pack de déplacement rapide doré. Ouh. Ah bah dès que j'ai une peau de retenard, j'en achète un. Coque d'écho. Voilà, ça, j'en veux. Dix. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Bon, peau de renard alors du coup pour les trucs. Et puis on veut garder les scories, les machins et tout, parce que visiblement... j'ai pas de... Si, je peux aller là. Non, je vais pas gaspiller. On va y aller à pied. On va y aller à pied. On va pas gaspiller. Regardez. Enfin, ça, c'est pour descendre, pour remonter. Encore parti contre Florette, cette meuble. Je crois que c'est pour descendre, ça. Hein. C'est pas pour monter. Quoique. Bon, allez, on teste. C'est un ascenseur. Pour trouble à l'ordre public hier soir. Je préfère ne pas te raconter. J'essaye l'ascenseur. Ah non, c'est pour monter. Cool. Ouais, ça tombe bien, je voulais monter. Putain, un monte charge, hein, vu le truc. Allez, du coup, on va aller voir le truc des chasseurs. C'est vous ? C'est vous ? Je marche trop lentement. Allez. Qu'est-ce qu'ils nous font, là ? Oh, attendez.
La foi du soleil. Ah, il est là. Alors, le soleil, cet article, c'est la fois. Ah, d'accord. Oh, mon Dieu. C'est le genre de truc. C'est dommage, hein, parce qu'il y a des mecs qui se cassent la tête pour faire ce genre de choses. Et nous, on les lit pas. Mais si, je lirai un de ces quatre. Parce qu'on doit apprendre plein de petites choses comme ça. Chose ici. Registre rouge mort. Putain. Ça ressemble un peu au mange mort. Registre des récits de rouge mort. Inquisiteur. Oh. Ah, d'accord. Ah, c'était le nom de. D'une gueule d'orage. Ok. Ouah, hein? Vous savez quoi? Ok. Alors, il est où? Il est là. C'est lui. Excuse-nous. Ah, la dompteuse de machine nous honore de sa présence. Tu es une Nora, n'est-ce pas? Une guerrière des terres sauvages. Des terres sacrées, mais oui. Terres sauvages. Je me suis battue toute ma vie. Bien. Dis-moi, les Nora ont-ils pour habitude d'entrer chez les gens et d'y faire ce qui leur plaît? Bien sûr que non. C'est pourtant ce que tu fais, à cet instant. Tu t'incrustes chez nous et tu ennuies ceux qui te surpassent. Tu es loin de me surpasser. D'accord. Ligan m'a dit qu'il fallait te parler pour devenir membre. Ça serait vrai si tu avais une quelconque chance de rejoindre ce pavillon, mais tu es une sauvage. Ah. Jamais une sauvage ne rejoindra les rangs du pavillon des chasseurs tant que j'en serai le faucon soleil. Va-t'en. Non. On m'a expliqué que vous aviez des lois. Si elles ne sont pas respectées, alors ta fonction n'existe même pas. Alors arrête un peu et dis-moi, est-ce qu'il y a un faucon qui pourrait me parrainer? Très bien. Talana est libre. Voilà qui serait amusant. Une punaise parrainant un parasite. Maintenant hors de ma vue. D'accord, sympa. On est bien accueillis, hein. Je dois dire que ça fait plaisir. Alors, elle est où cette Talana? Oh, je vois un autre truc là-bas. Je vois un autre truc à scanner là-bas. C'est quoi? Encore des bouquins. Alors, chasse légendaire. Chasse légendaire du pavillon. D'accord. Ok. Oh, j'en ai encore un là. Regardez. Faites tout un plat des océrables. Règlement. Ah, mon Dieu. Il n'y a pas de paperasse ici, hein.
Il y a de la paperasse ici. Alors, elle est où cette Talana? Ah bah, c'est elle. C'est toi, Talana? Aziz m'a dit que tu étais un faucon sans oisillon à parrainer. Un faucon sans oisillon. Tu vas m'envoyer balader toi aussi? Pas grave, j'ai connu pire. Je te crois. Mais tu te trompes. C'est grave. Et surtout aujourd'hui. Alors, surtout aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Et sinon, vous chassez pour de vrai, des fois? Ou alors vous faites que parler? Ouf. Oui, bien entendu. Tu abats une machine et tu apportes le trophée au Faucon Soleil Aziz. Comme ça, tout le monde reconnaît ton exploit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un des nôtres est mort en affrontant Rouge-Mort. C'est le plus dangereux des gueules d'orage. Il détruit les arbres, les rochers, les gens. Je suis désolée de l'apprendre. Oh, je sens qu'il va falloir y aller. Et Aziz, parle-moi un peu de lui. Le Faucon Soleil du Pavillon. Le plus haut placé des raclus. Pardon, des membres. Ah. Il a abattu des ravageurs, des traqueurs, des mastodontes. Ah, des mastodontes, pas encore. Moi aussi, j'ai tué plein de machines. Tout comme moi. Y compris deux oiseaux tempêtes. Il a apporté ses trophées le premier. Ça marche comme ça. Ah. Le premier faucon qui bat la machine la plus puissante devient faucon soleil. Mm-hmm. Comment on devient un faucon? Quand un faucon meurt, sa griffe prend automatiquement sa place. Et les autres doivent l'accepter. Ah, d'accord. Qui c'est, ce Ligan, à la porte? Ligan? C'est un faucon. C'était un excellent chasseur, mais il a complètement arrêté. Il aide le pavillon à sa façon. Mm-hmm. Pas comme les autres faucons, qui rapportent les meilleurs trophées et ensuite courent se saouler. D'accord. Je veux chasser. Explique-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Tu veux les humilier pour t'avoir prise de haut? Alors affronte-les sur leur territoire. Abat 3 d'Antsy, 2 ravageurs et un traqueur. Ensuite apporte les trophées à Aziz. Ça les remettra à leur place. Si je réussis, tu me parraineras? Bien. Pour faire enrager Aziz. D'accord. Alors, tu as 3 trophées, 2 machins et un traqueur. Les traqueurs, j'en ai déjà battu un, hein, mais bon, bref. Ok. Bon. Eh ben, écoutez, les amis, nous, je crois qu'on va se laisser là. Comme d'habitude, donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Horizon. Et on ira, alors je sais pas si on ira faire la partie de chasse tout de suite. On va regarder un petit peu les autres, les autres quêtes annexes que j'ai. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! I just wanna see how